Varicelle, rubéole, jaunisse, rougeole, malaria, scorbut, beriberi, peste verte, myxomatose, pécole, débilose, etc., etc. Mais maman, ça fait au moins 10 piqûres tout ça. 25 en tout, mon pilou. Oh. Par la très sainte justice, j'ai oublié que j'avais rendez-vous pour sauver le monde à 14h pile. Elmer, je t'ai déjà dit qu'on ne plaisantait pas avec ces vaccins, compris? Oui, maman. Oui. Virez! Monsieur le Président, un certain blindé man demande à vous voir. Merci, j'ai déjà un coffre-fort. Vous n'y êtes pas, monsieur le président. Je suis venu vous présenter ma dernière invention. L'armure absolue. Son alliage révolutionnaire en polybéton acrylique à la laine de diamant retournée résiste à tout. Dynamite, missile, feu, acide et j'en passe. Avec elle, vous serez totalement invincible. Démonstration. Impressionnant, non? C'est tout. Excusez-moi, mais j'ai des choses à faire. Passez-moi le terrain de golf. Attention, parce que ça va faire boum. Ah 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 ah. Faites-moi sortir ce débile de mon bureau tout de suite. Pour les seringues, vous avez une préférence? Vous n'en avez pas qui serait sans aiguille. Biceps sauveur de l'humanité, à votre service. Capitaine, le président semble avoir des problèmes. C'est une mission pour Captain Biceps. Elmer, veux-tu revenir ici tout de suite? Je reviens tout de suite, maman! Au rapport, génius! C'est extrêmement curieux, Capitaine. On dirait que l'immeuble a explosé de l'intérieur. Ça, c'est un problème de chaudière. Non, Capitaine, regardez, c'est blindé man! Le saviez-vous? Dès son plus jeune âge, Jean-Claude Misère s'est distingué par une extrême et précoce conscience du danger. Cette crainte morbide de la douleur était souvent justifiée par les circonstances. Petit à petit, il fut exclu des jeux auxquels se livraient ses petits camarades. Il essaya bien souvent de briser cette malédiction. Allez, vas-y Jean-Claude, roule! Il a cru quelquefois y parvenir, mais il n'y avait rien à faire. Cette nuit-là, Jean-Claude prit une grande décision pour ne plus jamais connaître la douleur. Il allait devenir blindé man. Te voilà, Biceps. C'est à cause de super-héros débiles comme toi que des génies comme moi restent dans l'ombre. T'es sûr que c'est pas plutôt à cause de ta dégaine de boîte de conserve? Quel est votre plan, Capitaine? On lui fait avaler sa culotte en inox blindé et on le balance à la ferraille. T'as qu'à aller te faire resserrer les boulons ailleurs. Non! Prends ça! Ça va comme vous voulez, Capitaine. Stop. Alors, Biceps, on grille les feux rouges. Ton cerveau a besoin d'un bon coup de justice. Tu ne te décourages jamais, hein, sacré Biceps. Fini les super-héros en pyjama, Biceps. Place au seul dont le nom restera dans l'histoire. Blindé Man. Son armure doit être en polybéton acrylique à la laine de diamant retournée pour être aussi solide. Ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais te transformer en limaille de fer, mon vieux. Arrête, tu perds ton temps, Biceps.
Alors là, c'est ce qu'on va voir. Boîte de cassoulet. Ce sont des missiles guidés, Captain, et on est pile dans le collimateur. 3, 2, 1, ignition. J'ai une idée. Vous êtes prêts, Captain? Hourra, Captain! On a réussi! On a réussi! Alors là, Captain, je crois bien qu'il a une dent contre nous. Oh. Hey! Biceps piège à rongeur! Biceps fatal attack! Qu'est-ce que c'est? Allez! Quoi? C'est ça, Blindéman? Captain Biceps! Elmer! Reviens faire tes vaccins! Je suis là, maman! Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt, Elmer! Captain Biceps!